Good morning, Ale Yiden et Shana Tova, Mvorechet, Gmar Hatima Tova Douz. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Richaron Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal, Dani Myriam Bat Elisa Sayak, Michou Michel Esther Bat Arlette Maïssa et Moshe Ben Elou, Vanish. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Michel, contactez sa communauté éternelle. Nous étudions un sacré Yuma Perekret Mishnachet. Chatat Vehasham Vadai Mechaprin. Mita Veyom Akipurim Mechaprin Aima Tshuva. Tshuva Mechaperet. Al avirot kalot, al ase ve al olot ase. Al chamurot hit ola ad sheyavo yom akipurim vichaper. On a fini l'essentiel de Masechet Yoma. Il nous reste deux Mishnayot jusqu'à la fin du chapitre, une pour aujourd'hui et une pour demain. Bon, on va parler de manière générale sur, bien sûr, l'essentiel de Yom Kippour. Sur quoi Yom Kippour expie les fautes. Tout ce qu'on a appris, le rituel d'envoyer le Seir HaMishtaler. Tout ce qu'on jeûne à Yom Kippour, c'est pour se faire expier nos fautes. Alors comment ça marche, l'expiation des fautes? Ça veut dire... Alors la Mishnah m'enseigne comme ça. D'abord, tout d'abord, je vous fais une courte introduction d'abord, et après on le reverra plus dans les détails dans le Barthénora, et après on va lire et traduire la Mishnah, organiser, ordonner ce qui est écrit dans la Mishnah, puis après on apprendra ce qui est écrit dans le Barthénora. En deux mots, ça se passe comme ça. Il y a d'abord, quand on transgresse une Avera, il faut bien comprendre, on est passible d'une punition, un onesh, premièrement. En plus de ça, jusqu'à qu'on reçoive le onesh, eh ben, mina shamaim, on n'est pas content contre nous, parce qu'on a fait une avera. Et du coup, on éprouve plein d'épreuves qui sont, c'est pas encore les épreuves qu'on risque de rencontrer, c'est pas encore la punition. C'est juste comme un enfant qui a fait une grave bêtise, et je lui dis, attends, tu vas voir, on va régler les comptes. On rentre à la maison, il va recevoir la treha. Ça, c'est quand il arrivera à la maison. Mais pour le moment, jusqu'à que j'arrive à la maison, je suis en colère contre lui. Donc, je vais donner un bonbon à tout le monde, et lui, je vais lui dire, toi, je te donne pas. À lui, d'accord, vous comprenez. Jusqu'à qu'on reçoive la grande punition, il y a tout d'abord, en route, il y a le fait que je suis fâché contre lui, donc je vais le priver à part ça. C'est pas encore la punition. C'est la même chose avec la vérote qu'on fait. La vérote, jusqu'à qu'on expie la faute. Alors, expier la faute, il y a plusieurs manières pour effacer la faute. Mais, ou bien, sinon, on est passible d'une certaine punition. Jusqu'à qu'on soit la punition, on n'a pas la sécurité d'Ishmaïa. Ça veut dire, à cause de ça, il va être livré aux causes du destin, naturellement, bêtement, que s'il va laisser la voiture ouverte, elle va se faire voler. Ça, c'était à la derrière. Il n'a plus de sécurité d'Ishmaïa, il n'a plus de providence du ciel qui le protège. Face à ces deux problème, la punition et entre deux, eh bien, on va évoquer deux notions dans la Mishnah, qui ça va s'appeler Tolin et Mechaprin. Quand on va vouloir faire Tshuva, alors on va arriver dans cette situation, on va être en matzav de Tliya, ça va être Talouï. Ça veut dire, on a réussi à faire une demi-expiation, si on peut dire, on n'a pas encore effacé la faute. Mais pour le moment, on a l'avantage qu'on n'a plus des issourim, on n'a plus des épreuves jusqu'à. Et il y a le massaf de Kapara où on a complètement effacé la faute. Ça, c'est le sujet d'abord général, d'accord? L'itlot et les chaper. Alors que par exemple, pour certaines avérotes, il va falloir faire deux étapes pour pouvoir se faire effacer la faute. Malgré tout, dès que tu vas faire une première étape, tu vas déjà gagner que tu n'auras plus de colère du ciel. Où il va avoir toutes sortes de preuves, d'accord? Et maintenant, on va découvrir toutes sortes de avérot, de transgressions, où selon le cas, il va falloir soit juste faire tchouva, et dès qu'on fait tchouva tout de suite, la tchouva va l'accepter. D'autres avérot, il va falloir faire tchouva et des issourim, des épreuves. D'autres avérot, il va avoir des épreuves et Yom Kippour. D'autres avérot, ou encore, il va falloir nécessairement attendre jusqu'à la mort pour pouvoir effacer sa faute complètement. C'est les quatre Elokir Kaparot, en fait, qu'on va voir quand on va voir la Mishnah, quand on va voir le Barthénora. Pour le moment, on a introduit ça, donc on commence à traduire la Mishnah avec Khatat ve Hasham Vadai, Khatat ve Hasham Vadai, Mechaprin. Le Korban Khatat et le Korban Hasham Vadai, ils expient la faute. C'est-à-dire, en fait, tu as été chassé avec un Korban Khatat. Faute sur laquelle tu as transgressé Beshogeg, une transgression du Shabbat, quelque chose sur laquelle on est passible de retranchement. Tu l'as fait Beshogeg, donc. Tu n'es plus passible de mort, mais tu as quand même fait une grave avéra. Et tu as une tête béfolle, concrètement, tu as une grande transgression. Donc tu apportes un korban khatat. Quand tu apportes le korban khatat,
ta faute se fait expier. Idem aussi avec le Hacham Vadaï. Un vrai Hacham, pas un Hacham qu'on apporte parce qu'on a un doute, l'Hacham Taloui en l'occurrence, mais là, Hacham Vadaï qu'on apporte dans certaines situations, de Hacham Xelot, Hacham Meilot, il rapporte le Bartanora. Qu'on a volé en jurant, on a fait un sacrilège. Eh bien, dans tout ça, on doit prendre un Korban Hacham. Donc, le Korban Khatat, le Korban Hacham, quand tu les apportes au Beth Amikdash, c'est fini, ta faute est effacée. En réalité, c'est un peu plus subtil, comme le dit le précise le Bartanora, que, bien évidemment, si tu apportes un Korban, c'est que tu as fait Tshuva auparavant. Donc, en fait, c'est la Tshuva et le Korban qui vont effacer la faute complètement. Ok ? Mita veyom akipurim mechapurin ima Tshuva. Autre sujet, de manière générale, quelqu'un qui décède, ou bien encore Yom Kippour, vont tous les deux effacer les fautes, on parle de kapara cette fois-ci, mais à condition que tu as fait tshuva auparavant. C'est-à-dire quelqu'un qui est sur son lit de mort, et de la faire tshuva, regretter toute sa vérote, à ce qu'il fasse son vidouille, et puis après, qu'il passe dans l'autre monde, et il aura eu la tshuva avec le Yom Kippour, avec la mort. Et aussi, Yom Kippour aussi, c'est Mechaper. Ben, c'est Mechaper en faisant Tshuva auparavant. Maintenant, si tu as fait que Tshuva, mais tu n'as pas encore fait Yom Kippour, tu n'es pas encore arrivé à Yom Kippour, donc, pour le moment, on va être dans la situation de Tolin. Tu as gagné que tu as pu être éprouvé sur la faute, mais ta faute n'est pas encore été effacée. Maintenant, la Mishnah continue à me raconter. Après, on va faire le Bartanora qui va faire un peu plus d'ordre. Mais d'abord, j'avance pour les cas de la Mishnah. À part ça, la Mishnah m'enseigne Tshuva Mechaperet à la Virot Kalot, va la Se, va la Lota Se. Tel que c'est écrit. Le fait de faire tshuva, ça expie complètement les fautes, à partir du moment, même les fautes légères, qu'il s'agisse d'un assez ou d'un lot assez, qu'il s'agisse d'un mizat assez que j'ai pas fait, j'ai manqué, je suis resté dormir le matin jusqu'à que l'heure du kriyat shema il est passé, ça c'est assez. Dès que je me réveille en retard, je réalise mon erreur, je dis je fais tshuva, j'ai mal fait, je fais bien évidemment une vraie tshuva, ça veut dire prarata, azivat tachet, prarata. Vidouille et Kabbalah Lati de demain, je ferai mieux, et c'est fini. Dès que tu as fait ça, tu as effacé complètement la faute que tu as fait. Comme ça, c'est rapporté dans le Mishnah. Tu vas me rappeler, Al Averot Kalot, Al Asse, ça c'est un Asse, mais Al Lota Asse. Alors, tel que c'est écrit, même si c'est une transgression que la Torah m'a dit dans Lota Asse. Donc, apparemment, quelqu'un qui aurait mangé une viande interdite, apparemment, tel que c'est écrit dans le Mishnah, ça suffirait de faire Tshuva. Bon, en réalité, c'est pas vrai. Comme ce qu'on va après dans le Bartanura. Mais ça, c'est pour les laverot kalot, les légères. Par contre, à la chamurot, les plus graves, où là, cette fois-ci, la Torah, elle a prévu plus qu'une punition juste que de se faire frapper. Elle a prévu bien pire que ça. Alors, hi tola, la tshuva, elle est tola. Elle met en suspens. C'est-à-dire qu'elle met en suspens que pour le moment, on ne va pas éprouver des épreuves. On ne va pas endurer des épreuves. Mais malgré tout, la faute n'est pas effacée jusqu'à quand? Ad Sheyavo Yom Kippourim Vichaper, jusqu'à qu'arrive Yom Kippour et va effacer complètement la faute, ça c'est pour les graves fautes. Le Bartanura il refait de l'ordre, en fait il vient synthétiser la Gemara qui va expliquer, en fait il nous reporte comme ça. Je l'ai fait dans l'ordre. Chez Imezid, d'abord, premièrement, mon histoire de faire Tshuva tout seul, que ça suffit pour faire expier une faute, ça a été dit que sur une mitzvah assez que j'ai manqué, il y avait une mitzvah positive à faire que je n'ai pas fait. Ou encore une mitzvah. Un lave, une transgression, mais qui est nitak léassé. Il y a certains interdits de la Torah que la Torah t'a dit tu ne feras pas cette chose-là. Mais si tu l'as fait, tu répareras comme de la sorte. Là, c'est un lave, c'est une transgression sur un lave, une mitzvah négative, que la Torah elle m'a expressément dit que si tu transgresses, tu pourras réparer de la sorte. Donc, si je répare, j'efface la faute. Et donc, dans ce type de transgression, avec la tshuva, ça suffit. Pour réparer la faute, pour effacer complètement la faute. D'accord? Maintenant, idem aussi, si on était shogeg sur une avéra qui a un lave, normal, c'est-à-dire, si on a un lave, dans la Torah, une mise à négative, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ci, en général, la punition, c'est d'être frappé si j'ai transgressé. Toute la vérote que j'ai fait, béchogeg sur les racoutes, eh bien, le fait de faire tshuva, ça suffit. Dès qu'on fait tshuva, ça. Et nos azmisham, atchimokhalino. Il ne quitte pas sa place de là-bas, puisqu'on l'a déjà fait, c'est la faute. Comme ça, ça va porter. Par contre, si toutefois c'était un lave chez Yishba Malkout, c'était un lave, une transaction où il y avait un Malkout dessus, manger un aliment interdit, en l'occurrence, qu'il a fait Bemezid, alors là, sur ça, on a tshuva tola, veyom akipurim echaper.
la tchouva, elle met en suspens, et jusqu'à ce qu'arrive Yom Kippour va effacer, expier la faute. Maintenant, si c'est une avéra plus grave, c'est des chayvé kritout. C'est-à-dire, c'est pas juste une transaction de manger du pas kasher. Il a mangé une graisse interdite. Il a eu un rapport avec une femme, Nida. Il a eu toutes sortes de chayvé kritout, il a transgressé Shabbat. C'est tout ça, c'est d'avoir tout le Bokaret. Alors là, pour ça expier complètement la faute, il faut trois choses. Il faut. Veim shagag bechayvé kritout mitot beddin. Donc il a été shogag dans les chayvé kritout mitot beddin. Achatat mechaperet im atshuva. Alors là, si c'était shogeg, korban chatat avec tshuva. Mais s'il était mézid, alors il faut tshuva ve yom kippur mtolin. Le fait de faire tshuva et de yom kippur, ça met en suspens. Mais veisurin memarkin, après, il faut qu'il doit nécessairement qu'il va endurer des épreuves pour expier la faute. Oui. Le karet. Et ça, ça concerne qu'il n'y avait pas de Hilul Hashem. Parce que si il y a Hilul Hashem, ils font plus de ça. Jusqu'à qu'il va quitter ce monde. Et alors là, quand il va quitter ce monde, il va se faire expier sa faute complètement. D'accord? Donc en fait, si je récapitule maintenant le Barthénora, ça se passe comme ça. Il y a une hiérarchie, il y a quatre niveaux de Averot. Des Averot que le simple fait de faire tshuva, de regretter, t'es honnête, demain tu feras mieux, c'est fini, c'est bon, c'est effacé. Ça, ça implique mizot assez que j'ai pas accompli, la vanita classée, les laves un peu spéciales, ou bien encore quand j'étais shogeg belav. J'ai malencontreusement transgressé sans faire attention sur un lave. Il y a des Averot où il faut attendre Yom Kippour pour se faire expier. Ça, c'est les vrais laves qu'il a fait Bémézide. Par exemple, il a mangé quelque chose d'interdit. Il veut maintenant se faire expier sa faute. S'il fait, dès qu'il fait tchouva, ça met en suspens pour le moment. Il sera pas, il n'endurera pas d'épreuve. Mais c'est pas, la faute n'est pas encore effacée. À quand la faute va-t-elle se faire effacer? Quand ça va arriver Yom Kippour, en plus. Il y a des averotes encore plus graves. Cette fois-ci, c'est un lave chez Yesh Bokaret. Un lave où on est passible de retranchement. Il a aussi la possibilité de faire tchouva. La tchouva, elle veut effacer la faute, mais comment? C'est plus long. Il faut faire tchouva. Attendre Yom Kippour aussi. Et même plus que ça encore. Après, il va devoir endurer des épreuves qui vont faire que la faute, elle va être. Comment dire? Le but, c'est de l'extirper complètement de lui. Il a pris quelque chose d'interdit, il doit le rendre, il doit regretter amèrement jusqu'à endurer des épreuves. D'accord? Et ça, c'est l'intention qu'il va trier le Hachem. Parce que si il trier le Hachem, le profane et le nom d'Hachem, alors là, il faudra nécessairement attendre de quitter ce monde pour que la faute soit complètement effacée. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Et avec, pour demain, Bezrat Hashem, le Siyum de Maseret Yuma. On est juste avant Yom Kippour, c'est excellent, c'est merveilleux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Kol Tuv Selam.